Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre internaute invité, El Montassir Ben Saïd partage son avis et sa réflexion dans un article, qu'il a intitulé « Human Rights », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre architecte ouvre son propos par ces mots. Où êtes-vous mes 2086 amis et amis lecteurs? Vous ne réagissez pas aux posts, qui dénoncent les atrocités et les injustices du monde? Vous ne les partagez pas et les lisez en secret, en mettant presque à contre-cœur un pouce de like? Vous mes amis marocains, portugais, indonésiens, français, danois, espagnols, oui vous tous, que vous arrive-t-il? Nous assistons à un massacre en direct, et quotidiennement sans même prendre le temps de réagir? Est-ce là le monde que nous voulons léguer à nos enfants? Dénoncer des crimes contre l'humanité et des massacres de civils de tous bords, est-ce un crime? Nous ne sommes pas antisémites. Nous ne sommes pas anti-juifs. Nous avons protégé les juifs de tout temps au sein de notre pays. C'est inscrit dans notre constitution et les rois du Maroc de la glorieuse dynastie Alaoui ont toujours été les garants du vivre ensemble interreligieux. Vous avez peur que Mark Zuckerberg me censure ou vous censure? Mais pourquoi ferait-il cela, alors que c'est grâce à lui que nous avons cette plateforme pour nous exprimer? C'est ça la justice et l'équité? Notre internaute approfondit sa réflexion de la manière suivante. La quatrième armée du monde, qui bombarde des civils désarmés, innocents pendant des semaines, au nom de quelle idéologie? En Ukraine pour chaque missile russe, qui tombe sur des civils, le monde occidental, crie au génocide et à Gaza, on déplore, timidement et provisoirement, le meurtre de plus de 7000 Palestiniens dont la moitié sont des enfants et une broutille comme 18000 blessés. Je ne m'abaisserai pas à revenir sur la politique des deux poids, deux mesures des gouvernements et des médias occidentaux, ce serait assez avilissant pour mon âme. Mais que se passe-t-il? On ne peut plus crier au loup dans un monde féroce vis-à-vis d'un Occident sourd, aveugle, hypocrite, partial et injuste? Maigre consolation, l'histoire jugera. Monsieur El Montassir Ben Saïd conclut son article en ces mots. Une chose est sûre pour moi, tous ceux qui se taisent, tous ceux qui ne partagent pas via les réseaux sociaux et ne dénoncent pas les crimes de guerre, les génocides, les crimes contre l'humanité, le terrorisme sous toutes ses formes, ont perdu leur humanité, et ceci explique cela à l'échelle planétaire. Réveillez-vous. Soyez courageux. Ne restez pas silencieux. Votre silence est coupable et participe à cette injustice. Partagez. 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 Que Dieu nous garde et protège nos proches dans le besoin, car il n'y a plus rien à attendre de l'homme. Rédigé par El Montassir Ben Saïd. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités, et à très bientôt.